Adriana Carambeu a réalisé l'un des rêves qui lui tenait le plus à cœur, devenir maman. Comblée avec sa petite Nina, elle a révélé qu'elle avait néanmoins eu beaucoup de mal à tomber enceinte face à Léa Salamé et Christophe de Chavannes. Maman solo depuis son divorce avec Aramo Anion, Adriana Carambeu est devenue mère sur le tard, la quarantaine passée. Invité sur le plateau de Quelle Époque le 3 juin 2023, le mannequin d'origine slovaque a évoqué cette chance qui lui a été offerte mais qui ne doit pas pour autant faire oublier le fait qu'il est très difficile de tomber enceinte une fois que l'on a atteint un certain âge. Vous êtes tombée enceinte à 46 ans, aujourd'hui on voit de plus en plus de femmes avoir des bébés à plus de 40 ans, on a vu Virginie Efira au Festival de Cannes qui était magnifique avec son baby bump. Si estime magnifique, ça fait rêver mais en même temps il y a des médecins qui disent attention ne laissez pas croire aux gens que si estime facile de tomber enceinte après 40 ans, indique l'animatrice Léa Salamé à son invité. Il y a énormément de femmes qui m'écrivent et qui me disent qu'elles veulent faire comme moi mais si estime extrêmement compliqué, moi je pensais pas. Aujourd'hui on parle des femmes qui font leur carrière et quand on veut attendre et faire un enfant plus tard non à l'âge 40 ans vous avez la chance de tomber enceinte de 7% donc mon conseil, n'attendez pas, a répondu alors avec beaucoup de franchise l'ex de Christian Carambeu. Interviewée par Femme Actuelle en juillet 2022, elle avait d'ailleurs confié à quel point elle avait eu des difficultés à devenir maman. Je savais que tomber enceinte après 40 ans, ce serait compliqué. Je priais juste que cela arrive. Je n'ai pas fait qu'une fausse couche, j'en ai fait plusieurs. Il y a des femmes qui tombent enceintes facilement, d'autres qui décident d'avoir un enfant plus tard et pour qui s'y estime moins facile. Point. Le chemin a été horriblement compliqué, psychologiquement et physiquement. Avait-elle raconté, avant de devenir maman de la jolie Nina née en août 2018. Côté audience, l'émission Quelle Époque a rassemblé 18,8% de PDA soit environ 1 083 000 téléspectateurs. D'autres invités étaient présents comme Apolline de Malherbe, Pierre-Amaury Crespo et Nikit Champa, le mentaliste Fabien Olicard ou encore Ramzy.